18h sur Europe 1, on va gêner Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak. Et un petit nouveau dans l'équipe aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Gaspard Proust. Bon, Gaspard, qui c'est ? Comment ça, qui c'est ? Ah oui. Gaspard Proust est un jeune humoriste qui triomphe à travers la France dans les festivals. Je sais qu'humoriste, vous n'aimez pas comme mot, Pierre Bénichou. Non, non, pas du tout, j'aime bien le mot. C'est les nouveaux qui l'aiment. Ce sont les gens qui sont des humoristes qui m'ennuient à mort. Non, mais c'est vrai, quand on dit c'est un humoriste, ça veut dire riez à tout ce qu'il va dire. Vous êtes plutôt un écrivain, vous, Proust, non ? Ah bah, tu vois, ça, elle est bien bonne. Hein. C'est pas, c'est apparemment, ça y est, tu travailles enfin, toi. Tu viens deux jours d'affilée. Vous pouvez répondre à Pierre Bénichou si vous voulez, Gaspard. Non, bon, je vais attendre. Je vous présente à vos côtés. Christine Bravo à vos côtés qui va vous aider parce que c'est une bonne camarade. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, bien t'aider, tu vas voir. S'il y a bien quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est sur elle. Ça, tu peux y aller les yeux fermés. Et tu peux me confier des trucs secrets. Je ne répète rien. Il va pas tarder à finir en body. En Hollywood, tu vois. Puis en plus, au début, ça choque un peu. Après, tu sens rien. Vas-y. Occupe-toi du monsieur. Quel âge, camarade Proust ? 32. Enfin, 31, enfin, je sais, ouais, 32. Ouais. Originaire de Paris, province. Proustovie, de Paris. Ah, mais t'es gendarme, toi, ou quoi? Ouais, non, mais des frères, des sœurs? Non. Non, marié? Enfin, si, j'ai un frère. En fait, si, j'ai un frère, mais il est petit, alors je l'oublie. De temps en temps, c'est. Mais j'ai un petit frère, ouais, qui est super sympa, bourré de talent. Mais il fait pas humoriste. Mais il a plein d'autres qualités, parce qu'il fait du vélo vachement bien. Voilà. Tu serais pas de la famille de Raphaël Mesraïd? J'ai regardé les trois derniers épisodes de Vive les Vacances. Je voulais dire que les petites fesses de Titoff sont vraiment magnifiques. On a envie de mordre dedans. On voit vos fesses en plus. À un moment donné, oui. Oui. C'est assez furtif, mais on voit mes fesses. Un petit mail pour vous remercier toute votre équipe. J'ai des félicitations à faire tout particulièrement à Titoff pour sa prestation dans Vive les Vacances. Voilà. C'est tellement agréable de se divertir devant une série française. Bravo à quand une suite. Jusqu'alors, ma préférence allait plutôt à Joujou, mais en ayant vu Titoff, désormais, je le préfère. Il est drôle, charmant et même sexy. Je soupçonne qu'il ait profité des conseils de Pierre Bénichou et Christine Bravo. C'est surtout Pedro, hein. Dites donc, vous avez été regardé en tout cas par nos auditeurs. Je le trouve très bon acteur, Titoff, malgré sa petite brioche que l'on voit lorsqu'il se balade torse nu dans le feuilleton. Bah, ça, c'est du jeu d'acteur, ce qu'on appelle. Hein. C'est un rôle de composition. Ouais, c'est ça. Parce que mon personnage est en pleine couvade. Donc, voilà, c'était pas évident. Hein. Ah, t'as dû prendre du poids pour le rôle et tout. 33 kilos, tout ça pour le. Quelle conscience professionnelle. C'était pas évident. Alors, je suis sûr que vous aimez les histoires drôles, Gaspard Proust. Pas du tout. En fait, j'ai horreur des blagues. En tout cas, vous savez que chaque jour, les auditeurs tentent de nous faire rire avec des bonnes blagues et généralement, elles sont destinées à Fabrice Eboué qui, hélas, n'est pas là aujourd'hui. Celle-ci est formidable. Vous allez voir, en plus, elle est neuve. Un monsieur va voir son médecin et lui dit d'un air inquiet : Docteur, j'ai des problèmes de mémoire. Ah oui, et depuis quand ? Depuis quand quoi ? Voilà. Bon, bah voilà. Alors ça, autant s'il y avait eu Claude Sarotte, on aurait pu bien se marrer là. on aurait pu lui faire 4 fois de suite. C'est dommage, tu aurais dû la garder pour Claude celle-là. Alors celle-là, elle est typiquement pour Fabrice Eboué, parce que alors, lui, il est évidemment spécialisé dans l'humour noir, cynique, méchant, affreux. Non, il faut pas dire ça, dans l'humour de couleur, il faut dire oui. Alors Robert, pourquoi as-tu l'air aussi heureux ? Bah, tu sais que j'habite près de la voie de chemin de fer et cette nuit, en rentrant chez moi à pied, j'ai trouvé une nana ligotée sur les rails, comme dans les films. Non, tu rigoles. Pas du tout, je suis très sérieux. Alors, je l'ai détachée, je l'ai emmenée à la maison et bref, on a baisé toute la nuit. Mais toute la nuit, en levrette, en position du missionnaire, dessus, dessous, devant, derrière. C'était top ! T'en as du bol, dis donc. Et elle t'a taillé une pipe ? Ah bah non, j'ai pas retrouvé la tête. Ok. Alors celle-là, on me l'a raconté il y a 6 mois, j'ai pas osé la refaire ici. J'ai pas osé. Moi, je la trouve pas mal, celle-là. Franchement, elle mérite d'être neuve. J'ai une blague qui n'est pas salace du tout, et c'est Nabil qui répond à notre appel, puisqu'il a entendu hier, effectivement, qu'on en avait un peu marre des blagues cochonnes que nous envoyaient les auditeurs. Alors, c'est dans un autre genre. C'est plutôt humour juif. Pierre, vous aimez ce genre de blagues, vous en racontez souvent. Pourquoi est-ce que j'aimerais ce genre de blagues?
Non, non, je comprends pas. C'est l'humour parisien, sans doute, ça. Allez, non, mais souvent. Il raconte, alors, elle t'a taillé une pipe, et non, elle n'a pas retrouvé la tête, et tout. Mais non, mais vraiment, mais nous ne sommes pas du même monde, mon cher. Bah, écoutez, celle-ci va vous plaire. C'est Nabil qui nous l'envoie. Nabil? Il y a trois mères qui sont au bar et qui parlent de leur fils. La première dit, mon fils, il veut, il achète tout Paris. La deuxième dit, mon fils, il veut, il achète tout New York. La troisième leur dit, et qui vous dit que mon fils veut vendre? Non, elle est pas mal. Vous la connaissiez, évidemment, Pierre. Non, 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 pas du tout. Je ne connais pas du tout ce genre d'histoire. Pascal et Jean-Baptiste patientent au téléphone depuis un moment. Bonjour Pascal, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, vous pouvez dialoguer avec les auditeurs quand vous le souhaitez, si vous êtes intéressé par eux. J'explique aux petits, quand même. Petit jeune. Ah bah oui, c'est Pascal Le, hein, visiblement. C'est Pascal Le. Bravo. Elle habite Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis tapissier. Vous êtes tapissier? On dit pas tapissière? Ben non, voilà, parce que je fais du siège, la réfection de siège, garniture, encrin, etc. Voilà. Mm-hmm. Donc moi, c'est les sièges et je suis tapissier. Et vous êtes artisan, donc? Voilà, exactement. Je suis à mon compte. À votre compte. Pascal, vous affronterez Jean-Baptiste, qui est à Granville, dans la Manche. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis commercial. Commercial dans quoi? Dans la publicité. Dans la pub. Très bien. Oh, voilà. Vous êtes préparé pour l'émission? Tout à fait. Vous avez bien révisé l'actu? Eh ben, on va essayer. Parce que le principe, hein, c'est évidemment d'aller plus vite que les six chroniqueurs ici présents pour répondre à la prochaine question. Est-ce que vous avez un petit message avant qu'on attaque? Est-ce que je peux donner le nom de ma petite entreprise? Ah bah oui, allez-y, profitez-en, oui. Ouais, c'est la feuille d'acompte, voilà. Et s'il y a des auditeurs qui ont des choses à me donner à faire, faut pas hésiter. La quoi? La feuille quoi? La feuille d'acompte. D'accord. C'est un truc grec, tu sais. Dès oui, que tu... c'est des grandes feuilles. Voilà, c'est l'ornementation la plus ancienne. Donc si on a un fauteuil, un vieux siège pourri, une voilà. Chaise percée... Il faut me la porter. Ça dépend la... quelle chaise percée, parce que bon, mais on cherche quelqu'un pour empailler Claude Sarraute. Vous faites ou pas ça? Non. Vous êtes dans quelle région? La feuille d'acanthe dans 91, quelle... à côté de Nancy, 91, dans l'Essonne. Votre numéro de sirette? Nous envoyez le cabis, c'est ça. Vous êtes à la CAPEB ou pas? Pardon? Vous êtes à la CAPEB? Non. Non, non, c'est une femme, elle n'est pas à la CAPEB. C'est quoi la CAPEB? C'est la Confédération des artisans du bâtiment. Oh, moi, je ne suis pas dans le bâtiment. Dans la décoration. Non. Jean-Baptiste, vous êtes du bâtiment? Pas du tout. Vous êtes à la CAPEB? Et je ne suis pas dans la CAPEB non plus. Et vous avez un petit message à faire passer à Granville? Oui, moi, je veux dire bonjour à tous les gens de Granville qui se reconnaîtront et surtout aux excellents copains qui tiennent la brasserie du Pirate à Granville. Ouais, oh putain, dis donc. Ils se reconnaîtront, ils nous écouteront tout à l'heure, ils seront ravis. La brasserie du Pirate à Granville, à Pierre? Vous la brasserie du Pirate à Granville, si, bon, allez voir ça. Si j'avais autant de billets de 10 sacs que de gonzesses que j'ai emballées dans cet établissement, je serais à Monte-Carlo avec une Rolls blanche, je veux dire un truc, hein. Tu penses la brasserie du Pirate, c'est là où j'ai le plus emballé de ma vie. Oh là là. Ils sont toujours là, les deux frères? Toujours. Ils me doivent de l'oseille, ceux-là. Hein. Oh là putain, dis donc. Oh ah bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Ils me traitent de poissonnière, poissonneur des lilas à la retraite. Là. T'as vu comment tu parles? Parce que parfois, tu me traites de poissonnière, mais je crois que tu t'entends pas parler. Non, non, mais c'est pas l'accent du tout. Moi, on voit que je le contrefais, tandis que toi, c'est le naturel qui m'a fait. Jean-Baptiste, Pascal, on va jouer, vous savez quand? Après la pub. C'est parti. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Et vous savez, Pascal et Jean-Baptiste, que cette semaine, il y a un vélo à gagner, un vélo électrique, le iStep One, enfin électrique quand vous en avez besoin, par exemple dans les montées, hein, et, enfin dans, si vous êtes dans le sens de la montée. En tout cas, c'est un formidable vélo qu'on avait exposé hier dans le studio, mais à mon avis, on nous l'a piqué. On nous l'a piqué depuis. Faut jamais faire rentrer un Marseillais dans une... Jamais. Aujourd'hui, c'est Boubounier qui est pas là. C'est vrai, l'iStep One est à gagner, c'est Matra qui vous l'offre. Pascal, Jean-Baptiste, il faudra pour ça répondre à cette question, et ça tombe bien, justement, je vais vous parler du baron cycliste. Dans quelle course est engagé le baron cycliste?
Le baron cycliste. La course des détenus. Pas dans la course des détenus. Qu'est-ce qui se passe, Gaspard? Non, parce que Christine était en train de se déshabiller. Enfin, elle est en train d'enlever l'eau. Et moi, j'ai regardé à gauche, mais le micro peut pas. La radio peut pas transmettre ce genre d'image, en fait. Non. Oui, mais enfin, non, mais bon, il connaît pas mes habitudes avec mon pote. Ah, j'ai eu peur. Donc, en général, elle se déshabille. Attends, quand tu dis. Non, mais je vais prendre mes nouveaux t-shirts. Pardon. Attends, Jean-Baptiste, laisse-nous parler de Denis. Non, mais on parle de l'émission de Christine, là. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut lui expliquer, en fait. Quand t'es nouveau, comme ça, elle arrive, elle te montre son premier t-shirt. Elle fait pareil, et puis le troisième, d'un coup, elle fait ah, ben j'ai oublié le t-shirt. Voilà, en gros, ça vous laisse du temps pour réfléchir au baron cycliste Pascal Jean-Baptiste. Dans quel... que c'est le baron Eddy Merckx? Pas du tout. Dans quelle course est inscrit le baron cycliste? Alors, le baron, c'est son vrai nom ou c'est un surnom? Ils sont plus que trois à pouvoir gagner cette course parmi c'est lesquels. C'est des chevaux? Non, bien sûr, c'est pas du vélo. C'est pas du vélo. Eh oui, voilà. Donc. C'est pas le type qui a fait Paris-Le Havre du tout. En vélib, du tout. Non, c'est des vrais barons? Non. Attends, ils sont plus que trois en compétition? Même si, effectivement, celui-là, on l'appelle le baron parce qu'il est aristocrate. Non, il faut trouver la course, déjà, chouchou. C'est une course sportive? Pas du tout. Ah, voilà. Mais voilà. Pas du tout. C'est les élections au MEDEF? C'est pardon? Ça, c'est les élections au MEDEF? Les élections au MEDEF, non. C'est des élections? Ce sont des élections. Alors, des élections... À Perpignan. Non. En France? Non, pas en France. Ah, en Belgique? Non plus. En Europe? En Suisse? En Europe, oui. Pascal, Jean-Baptiste, faut vous réveiller? En Angleterre? En Iran? En Angleterre, oui. Voilà, puisque c'est un aristocrate. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élection en Angleterre? Attention, je crois que j'entends Jean-Baptiste, oui. C'est l'action pour le président de la Chambre des Lords? Non. C'est de la télé? Non. Président de la Chambre des communes? Non. C'est de la politique? C'est de la politique. En Irlande? Non. En Angleterre? En Angleterre. Je me semble que je l'ai entendu, en fait. La Chambre des Lords? Oui, la Chambre. La Chambre des communes. La Chambre des communes. Bonne réponse. Je l'ai dit, la Chambre des communes. Non, t'as dit la Chambre des Lords. Non, quelqu'un a dit la Chambre des Lords. J'ai dit la Chambre des communes. Il me semble que vous l'avez dit. Ah oui, mais. Peu importe. Je laisse la victoire à cette femme. Cette ménagère de moins de 50 ans. Jean-Baptiste, vous l'avez dit? Pas vraiment. Oui, j'ai dit la Chambre des communes. Vous êtes avant sûr de dire la Chambre de l'Ordre. C'est sûr, ça? Ah, je vous l'assure. Et comment on l'appelle? Parce que c'est ça la réponse que j'attendais. Comment on l'appelle, le président de la Chambre des communes? Le cycliste, évidemment. Mais non. Le baron cycliste, bien sûr. Le baron cycliste. Le speaker, on l'appelle. Ah oui. C'est le speaker. Et ils sont trois encore dans la course au poste de speaker. Il y a une femme, Margaret Beckett. Pourquoi? Il y a un homme qui s'appelle Sir George Young, qui est surnommé le baron cycliste. Voilà. Et puis il y a John Berko. Ils ne sont plus que trois dans la course. Pourquoi à ce sont-ils là? Au palais de Westminster. Ouais, bah ça y est, maintenant c'est trop tard. Pourquoi sont-ils là? Je sais pas, moi. Pourquoi est-ce qu'il y a une élection? Oui. Parce que l'ancien speaker a été accusé de corruption, il s'est fait virer. Et ouais. C'est pas tout de savoir la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est chez toi avec trois copines. Tu parles? Oui, si t'amènes trois copines chez toi, ça fait la Chambre des communes. Ah, moi, je dis que ça mérite une standing ovation. Jean-Baptiste, et nous venons de vérifier, c'est Pierre Bénichoux qui dit Chambre des communes. À aucun moment, vous ne l'avez dit. D'accord. Il est menteur. Nous remettrons donc le vélo en jeu tout à l'heure dans une autre compétition. Merci quand même Jean-Baptiste et Pascal, vous pourrez vous réinscrire sur ruquier@europe1.fr. À tout de suite. Il est 16h23 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, Pierre Bénichoux, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit cette phrase désormais immortelle que j'ai pu trouver dans le journal gratuit Métro? Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Oui, ah bah, quelle jolie phrase. Non, moi, j'en ai entendu une autre aussi de citation, très bien, hier soir à la télé. Mais non. C'est têtu comme une moule. Oui, mais c'est... Qui a dit ça? Ah. Qui a dit je suis têtu comme une moule? Il faut trouver. Trouver si c'est une question dans la question. Non, tu l'as mal fait. Elle a dit moi, tu vois, je suis têtu comme une moule. Mais qui a dit une pouf de Secret Story. Non mais vous allez arrêter de regarder cette émission. Ah non, c'est bien. Mais c'est non, je peux pas, je suis accro. Non mais attends, elle rigole en face. Mais non, comme une mule. Elle fait quoi? T'es-tu comme une moule? Ça se dit pas. Ça se dit pas. T'es-tu comme une... C'est pas Miss France qui a dit ça quand même. Non, Miss France, elle a pleuré. Elle a pleuré. Vous regardez ce genre d'émission à la télévision, Gaspard? J'aimerais bien, mais en fait, j'ai mon câble qui est débranché actuellement sur mon ordi qui va jusqu'à l'antenne. Donc, j'ai pas encore pris le temps de le replacer, donc j'ai pas la télé depuis un an. Mais à un moment, je vais certainement le remettre à fond
Et donc je pourrais suivre les moules. Tu peux pas, tu perds des trucs, mais c'est terrible. Ça et l'amour est dans le pré hier avec les pecnones. Et vive les vacances. Ah oui, et vive les vacances. Oh, il est là. Tu préfères, on a vu ce que t'aimais à la télé, quoi. C'est quoi l'amour est dans le pré? C'est bien. C'est des agriculteurs. Là, t'as failli dire des bouseux. Je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Si, t'as failli dire ça. Elle adore. En fait, elle adore se foutre de la gueule des gens à la télé. Non, j'adore les agriculteurs. Je te jure. Tu parles, elle s'est inscrite. Non, mais alors, hier, il y a l'amour est dans Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Il passe un speed dating et il y a une nénette qui s'assoit en face de lui et le mec, il élève des bovins, je sais pas où, et il lui dit, bon alors, qu'est-ce que t'as à me raconter? Ah, le speed dating! Mais j'avais regardé Titoff avant. Fini après. Elle ment bien quand même. Hein. Quelle soirée. Ah, mais t'aimes bien les agriculteurs? La ferme. Ah, mais j'adore l'amour et dans le pré. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Je rappelle la phrase quand Carla même. Carla Bruni. Non, c'est. Alors, elle a trouvé. alors, c'est un marin. Pardon. C'est un marin? Mais non, c'est pas un marin. Non, c'est un politique qui a dit ça à tous les coups. Non, pas du tout. Ouais, un chanteur, une chanteuse. Non, alors, non. Si non. C'est pas un marin, c'est pas un politique, c'est facile alors. Bah oui. Alors dis-le. Un chanteur, un artiste? Non, c'est quelqu'un qui. Artiste non plus, non. Ah, bon, alors oh. c'est un homme de télé? C'est quelqu'un de la télévision. Ah, il fait de la télévision. C'est Jean-Claude Dacier. Jean-Claude Dacier, le nouveau patron de l'OM. Ouais, alors je pense au Bigorneau. Il est au Bigorneau. Bonne réponse, Pierre. Pas dans le sport? Dans le sport? C'est Julien Courbet? Du tout, non. Bon, il fait de la télé comme vous. Il est animateur. Non, il est commercial chez Ducrotet Thompson. Non, c'est quelqu'un bien sûr qu'on voit régulièrement à la télévision. Il est animateur. Qui fait de l'animation à la télévision, oui. Non, il est pas animateur. Donc elle est animatrice. C'est une femme. Laurence Ferrari. Daniela Lombroso. Non. Celle qui a triomphé l'autre soir, Daniela Lombroso. Vous l'aimez bien, Daniela Lombroso, Pierre? Moi, j'aime pas beaucoup les humoristes. Oh, c'est une violence, ça. Oh, merci, violent. Non, mais je la connais très bien, je la trouve très sympathique. Elle est très très bien, puis elle est jolie, puis elle, en plus de ça, elle est italienne de Tunis. Elle est comme celui-là, comment tu l'appelles celui-là, Claudia Cardinal. Oui. Ils sont pareils. Alors ça pourrait être Estelle Denis. Claudia Cardinal, il n'y a plus que vous qui vous souvenez de Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, il est fou. Écoutez, l'immense majorité de nos auditeurs ont eu leur premier émoi érotique avec Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, enfin c'est pas non plus comme si tu disais, je sais pas moi, Rita Barlow, un truc comme ça. Nita Barlow, comment elle s'appelait? C'était une bonne comparaison. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au Bigorneau. Valérie Damidot. Non. Sophie Favier. Non. Ah, on se rapproche. Qu'est-ce qu'elle est bien. Estelle Denis. Sophie Favier, elle revient ou pas? Ah, ici. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Peut-être, on l'a fait. Alexandra Rosenfeld. Elle est bien, l'autre jour, elle a été formidable. Pourquoi? Oh, je sais pas. Oui, quand elle est là, je me sens comme portée par un groupe de mères, comme ça. Elle est confort, elle est bien. Elle est confort. Alors, puis elle est en même temps confort et en même temps un peu salace. Ah ouais. Ah, j'adore cette phrase. Ah ouais, c'est le meilleur moyen pour la faire revenir. Bien revenir. Bien joué là. Évangélie. C'est pas Évangélie qui va à la pêche au Bigorneau. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au Bigorneau. Bon, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une de vos concurrentes, Christine? Une de mes concurrentes. Oui. Moi, j'ai des concurrentes. Oui. Moi. Vous. Depuis quand? Bah depuis qu'il y a des femmes qui animent à la télévision. Une de ses concurrentes, Daniel Gilbert. Non. Ça, c'est pour l'amour est dans le pré, hein. Virginie Guillaume. Non, quelqu'un qui est blonde comme vous, qui peut animer des émissions. À forte poitrine. Oui. À forte poitrine, non, petite poitrine normale. Sophie Davant. Non. Flavant. Flamand. Ouais. Bonne réponse de Gaspard Flavant. Proust et Christine Bravo. Flavie Flamand.
Eh oui, Flavie Flamand. C'est ma concurrente. Oui, c'est votre concurrente. La comparaison, on n'y pense pas tout de suite en même temps. Ça vient pas instinctivement, tu vois. Ah, vous trouvez qu'elle est bien, Flavie Flamand? Oui, oui, oui. Elle est très jolie. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Je sais pas si elle est bien. Flavie Flamand. D'abord, tu avais dit que Flavie Fla-Fla. Pas bien. Fla-Fla, oui. Mais comment elle est physiquement? Elle est très très jolie. Tu connais pas Flavie Flamand? Le Flamand pêche des bigorneaux. Elle était mariée à Benjamin Castaldi. Non. Si. Si. Pas possible. Si. Mais elle a divorcé? Oui. Mais comment elle a fait pour quitter un type aussi intelligent? C'est son secret. En plus, c'est la guerre entre eux, hein, à travers les journaux. Ah, bah oui. Dans Voici, il a dit Flavie me saoule. Ah oui, rendez compte. Flavie me saoule. Il a dit ça dans Voici. Mais si il n'est pas resté à la maison. Voyez un peu, hein, les sujets importants qu'on traite. Ouais, mais lui, il dit qu'il ne regarde pas la télé. Non, mais attends, il a trouvé Flavie Flamand. Non, parce que je l'ai vu à l'extérieur. En fait. Ah, où est-ce que vous l'avez vu? J'ai croisé dans la rue, en fait, une fois. Ah oui? Et donc, je passais à côté. Bah, spontanément, je me suis dit, tiens, Christine Bravo. Mais. Et là, normalement, ça m'a plongé. Mais après, j'ai pas. Non, oui, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que. Depuis... Si, je en pourrais cas... te rouler une petite pelle, là. Ouais, ouais, je sais, ouais. Et. ouais. Il pourrait partir con, aussi. Tu vois, si je m'étais brossé les dents. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, le jour où il y a un nouveau, je me lave pas les dents. Mais si Laurent, parce que d'habitude... Peut-être il aime ça. Mais oui, je suis amateur de fromage. Et alors, vous la croisez, Flavie Flamand, et après, qu'est-ce qui se passe? Non, non, j'ai dit ça juste pour l'anecdote, j'ai jamais croisé Flavie Flamand. Ah bon? En tout cas, c'est elle qui a dit, moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Et en quoi c'est ça, ça vous fait frétiller? C'est rigolo, enfin... quand même. Bah, c'est rigolo. Surtout venant de Flavie Flamand. Puis surtout, à avoir le temps d'y aller, maintenant. Mais moi, j'avais vu que ils avaient passé 8 jours de bonheur, une fois, sur une plage, ah bah oui, avec des hôtels à 2 milliards de briques par jour. Il y a 3 ans, ça dure. Il y a 3 ans? Eh ouais. Oh, tout. Ou 4. Dans ce métier, hein, tout passe, là, tout casse, tout lâche. Un vieux voici dans chez son cousin. Dans ses chiottes. Qu'est-ce qui vous avait impressionné dans cet article, Pierre? Ben, je trouvais que leur bonheur était pour la vie, quoi. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'ils sont séparés. Non, pas tout. Ah ouais, ouais, ouais. 3 ans. Mais c'est pas la peine de me regarder comme ça, Delerme, hein. Pourquoi vous l'appelez Delerme, Gaspard? Il a un peu l'élocution, oui, de Delerme. Non, mais c'est là parce que là, je suis à fond, en fait. C'est pour ça. Autrement, je suis. Il vous impressionne, faut dire Pierre Bénichoux, hein. C'est quelqu'un d'assez. Pierre Bénichoux, oui, oui, oui. De tous les chroniqueurs ici présents, est celui qui m'impressionne le plus. Ah oui, merci beaucoup. On peut savoir. Quoi maintenant, tu es mon ami. On peut savoir pourquoi? Non, parce que c'est le seul humoriste. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Jusqu'à 18h sur Europe 1, pendant tout l'été, 7 jours sur 7, c'est que du bonheur, on va se gêner, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, question, si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Qu'a-t-on fait à une femme enfermée dans une cage lundi à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques? Dans une cage? On lui a donné des graines. On lui a acheté des cacahuètes. Eh ben, c'est pas si loin. C'est une femme ou une femelle? C'est une femme. Humaine. Je dirais pas une femelle si c'était. Non, mais ça va pas. Le connaissant, on sait jamais. C'est une femme. Alors, une évidemment, c'est assez symbolique, hein, ce qu'on lui a fait, mais on lui a fait quand même symboliquement. Mais... Elle était enfermée dans une cage à Lescar, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah. Ça a son importance. C'est pour les ours. Elle avait ses. Enfin, elle avait pas ses ours. Mais non. On l'a forcée à se reproduire. Ça, c'est élégant, non, alors. Mais non, c'est ce que je voulais dire. Elle allait défendre les ours. Bien sûr. On l'a fait aux Pyrénées. Aucun rapport avec les ours. Votre émission sur TF1 s'appellera Le Chic Parisien. Mais tu comprends pas. Et puis, je pensais qu'on réintroduisait les ours. Eh ben, les femmes. On réintroduit. Vous n'êtes pas prêt de vous réintroduire. Elle s'est fait réintroduire par un grizzly. Alors, c'est les loups. Aucun rapport avec les loups. Ça, bon, en fait, c'est pour marquer le pignon. C'est pour marquer le pignon qu'on bien a sûr. Fait ça. Ça a rapport avec la burqa. Avec la burqa, expliquez, Pierre. Eh ben, je veux dire que la burqa est une sorte de tenue qui emprisonne les femmes. Elle a voulu montrer à quel point ces femmes étaient emprisonnées dans leur robe autant qu'elle dans sa cage. C'est pas du tout ça. C'est une bonne idée, mais c'est pas du tout ça. Ouais, mais c'est une bonne idée. Mais ça n'a rien à voir. Donc, on lui a acheté des bananes. On lui a donné à manger. Oui, à plus que ça, même. Un gros morceau de viande. Gaspard. On mettait une burqa sur la cage. On relevait la burqa, elle était plus dedans. C'est une sorte de magie. Non plus. Elle s'est mise dans la cage volontairement. Oui. Alors elle s'est mise dans la cage volontairement avec ses amis qui l'y ont aidé, évidemment, et c'est eux qui faisaient quelque chose, qui lui faisaient quelque chose. C'est artistique? Du tout. C'est pornographique? Non plus.
Non, c'est symbolique, c'est pour la défense de la planète. De la planète, ou non. Ou de l'écologie, c'est écologique. C'est écologique, oui et non. C'est pour la défense de la cage. Elle s'est reproduite dans une cage. Oui, ouais, toute seule. Elle s'est reproduite. Non, mais vous aviez quasiment la bonne réponse. Alors, Amandé, vous avez dit les ours. À manger, à boire. Vous avez dit, on lui a donné de la viande. À manger. À manger, oui. Voilà, et je vous ai dit plus encore. Comment est-ce qu'on peut te donner plus qu'à manger? Bah, à votre avis, ça s'appelle comment? Dans ces cas-là. Du gavage. Du gavage. Ça s'appelle. On l'a gavé. C'est pour protester contre le gavage des oies. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bravo. On l'a gavé. Le gavage symbolique d'une femme a été organisé lundi à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est presque excitant. Hein. Et voilà, pour protester effectivement contre la non-application de la réglementation européenne concernant le foie gras. Cette scène représentait une femme alimentée de force dans une cage entourée de personnages en costume de bagnard portant des masques de canard. Ah, ça fait le mauvais cauchemar, ouais. Tu sais que tu veux faire quand t'as pris une cuite ou quoi. T'as pris une mauvaise cuite au week-end et tu sais, les autres déguisés en canard. T'es gavé, mais après il y en a un qui arrive, les sadomaso, tu vois, c'est un truc un peu, il y a tout qui se mélange. Parce que les cages collectives ne seront obligatoires qu'à partir du 1er janvier 2010 pour les nouvelles installations. Ne seront généralisées qu'à partir de 2015. Pour l'instant, les canards sont en cage individuelle. Voilà. Enfin non, les canards doivent être en cage individuelle et pour l'instant ils sont en cage collective. Bah, autant les mettre en cage collective, au moins ils s'amusent. C'est le contraire peut-être. Mais oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Au contraire, en cage collective, ils se tapent dessus. Ils sont tellement stressés. Oui, mais enfin, ils peuvent sympathiser. Au moins, ils s'amusent. Faut pas. Et toi, t'es doux, ben moi je suis du Roussillon, et puis ça, alors ça fait un an qu'il te fait gaver, ben là, j'en ai ras le coup, j'en ai. Oui, j'en ai ras le coup. Mon chéri, au moins, ouais. Avant de te faire le cancer du foie, tu vois, tu puisses au moins discutailler bon, avec tes potes. Je sais pas, moi, à l'hôpital, je préférerais être même avec un cancer en chambre individuelle. Tous, on demande des chambres individuelles, on n'a pas envie d'avoir un. Ouais. Pour mourir tranquille. C'est pas mal. Ah, oui. Il faut un mec plus malade que toi. Ça rassure. Exactement. Ça rassure, tu dis vous croyez que je veux m'en tirer? Tu dis non, je crois pas. La réglementation en tout cas précise effectivement qu'il faut que les canards soient en cage collective, voilà. Et les Français sont à la bourre par rapport aux normes européennes parce qu'ils sont dans le sud-ouest en cage individuelle. Et c'est pas bien de les mettre en cage. Je comprends pas bien pourquoi c'est pas bien. Il y a beaucoup de dogmatisme dedans, il y a peu de pragmatisme. Sincèrement, quand ils sont très 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 stressés comme ça, les canards, eh ben ils se tapent dessus. Donc t'es obligé de leur clouer le bec. Non, c'est parce qu'en fait les cages sont petites. Et c'est pas obligatoire. Gaspard. On a peut-être peur que s'ils vivent ensemble, les canards se syndiquent. Alors que si on les met à part, ils sont c'est moins dangereux quand même de les isoler. Après il y aurait une une CGT, une configuration confédération du gavage des tadars. Ouais. Ah ouais. Ah, t'étais dans la merde. Ah, dans ces cas-là, il faut s'en sortir. Il y a pas d'autre solution, tu vois. Voilà, parce que connement, j'aurais dit la CGC, ça marchait. Eh oui. C'était les tanards. Voilà. Pourquoi ils disent en collectif? C'est pas ça, c'est parce que. Les cages individuelles sont trop petites. Voilà, en individuel, les cages sont trop petites. Vous avez le droit de mettre un canard seul par cage. Si la cage fait 300 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Ah, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'effectivement, en cage individuelle, ils ne peuvent à peine bouger dans. C'est affreux, dans... c'est bien sûr. Mais moi, j'ai vu, le sage j'ai mangé un foie gras, il avait la marque de la cage. Hein. Mmh. En tout cas, c'est assez dégueulasse en même temps de gaver une femme. Pour autant, qui n'a rien demandé. Bon, vous me direz, elle devait. Oui, elle devait être au courant quand même. Tu crois? J'espère vraiment qu'ils ont pris quelqu'un qui était d'accord. Oh, tu sais, les bagnards casqués. Vous préférez le foie gras d'oie ou le foie gras de canard? De canard. Bah, de canard. Eh bien, bien sûr, comme tous les ploucs, la goé bio, le machin. Le foie gras d'oie, c'est bien meilleur. Ben, bien sûr. Le foie gras de canard? Mais lui, il aurait dit comme tous les ploucs, les canards. Le foie gras de canard? La contradiction gratuite. Écoutez, Pierre. Le foie gras de canard, c'est plus fin, disent les cons. Mais non, c'est le foie gras d'oie qui est bon. Ah ouais, moi j'ai pas d'avis là-dessus, je sais pas la différence. Moi non plus, mais c'est pour vous faire chier. Tu vois. Un peu de musique si vous le voulez bien. Oh, peut-être je pourrais même vous poser une question à propos du disque qu'on va écouter maintenant, parce que c'est quelqu'un qui a une devise dans la vie, une devise qui m'a bien amusé. C'est un comédien écossais d'ailleurs qui lui a un jour donné cette devise, qu'il a prise à son compte. Où que tu ailles, n'emmène jamais un idiot avec toi, car tu en trouveras tout
toujours un sur place. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu Shadow. J'aime beaucoup cette phrase. Ouais. Où que tu sois, n'emmène jamais un idiot avec toi, car tu en trouveras toujours un sur place. C'est d'ailleurs pour ça que je viens toujours seul ici dans cette émission. Et alors, qui, à votre avis, a cette devise empruntée à un copain comédien? Ouais. Il chante en français, le gamin? Non, la chanson qu'on va écouter s'appelle Candy. C'est de Vian? Boris Vian, il a chanté Candy. Non, oui. Non, je te demande. C'est un Libano machin? C'est pas Mika? Ah non, c'est pas Mika. Bon. Non. Non, il a un prénom plus et un nom plus. Candy. Plus. Il est anglais. Non, pas il est plutôt italien. Plutôt italien. Piercini. Plutôt italien? En tout cas, il est. Gigi Glio Cinquenti? Non. Fausto Coppi? Mais non, Gimondi. Attendez. Ah bah, au départ. Il est italien, hein. Mais attendez. Non. Je n'ai pas italien. Je n'ai pas tout bon comme réponse. Fausto Coppi, il est italien. Il est du Royaume-Uni au départ, mais son nom et son prénom ont une consonance italienne. Justerinian Brooks. Quand même. Merde alors. En fait, je viens d'apprendre qu'il était écossais, j'étais persuadé qu'il était italien. Mais son nom est italien quand même. Ah bah oui, c'est pas possible qu'il soit écossais ce mec. Loch Nessie. Remarquez, il n'y a aucune chance qu'autour de cette table, à part peut-être Gaspard Proust qui est plus jeune que vous, et peut-être Michalak parce qu'il s'intéresse à la musique, peut-être Titov par hasard, mais, mais les autres, il n'y a aucune chance que vous connaissiez son nom. Hein. Alors, Verdi. Moi je m'intéresse à la musique et c'est un italien. Ah bah là vous allez trouver un camarade parce que nous avons ici alors un vrai mélomane. Gaspard Proust ne s'intéresse qu'à la musique classique, hein, Gaspard, on peut le dire. Pour moi, Verdi, c'est déjà de la pop. Ouais. Voilà, en résumé. Ah ouais, Purcell, ouais. Ça va? Vivaldi, non. Non, j'aime pas le baroque. C'est trop de fioritures. Non, tu t'acclimates vite, toi, mon petit gars. Quel est votre musicien favori, alors? Mozart, Wagner. Ah, Wagner. Ouais. Politiquement, c'est sympathique. Bon, dites mon garçon là qui est, qui n'est pas, comment ça en fait? Il chante tout seul, le gars. Il chante tout seul. Tout seul. Il a un nom avec un prénom ou un prénom seulement? Il a un prénom et un nom qui sont tous les deux des prénoms et des noms à consonance italienne. Ouais. Bono. Non, pas Bono. Alors, Marcello. Ça finit en I. Bondi. Ça finit en I. Le prénom en O et le nom en I. Et le premier album. Bono. Luciano Mitri. Non, écoutez, c'est facile. Là, franchement, Bondi. Michalak, je compte sur vous dans ces cas-là, vous savez bien. Je sais bien. Titov. Yoko Ni. Je vois pas. Alors, le premier album s'appelait comment? C'est plus quoi comme musique? Le premier album s'appelait These Streets. Voilà. Iggy Pop? Non, écoutez. Oh, ça finit pas en I. Paolo Nutini, quand même. Oui. Ça vous dit rien? Apparemment, toi, ça te dit quelque chose. Grâce à Europe 1. Écoutez. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner? La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Alors, cette question pour laquelle je déclencherai le chrono à la fin de cette question, justement, est essentiellement adressée à Pierre Bénichoux. Parce que, autant pour Paolo Nutini, je comptais sur la partie, on va dire, plus jeune de l'équipe. Pardon, Pierre. Autant là, à part peut-être Christine, peut-être Bonaldi, remarquez bien, mais Pierre. Pas tout le monde, alors. Non, mais Pierre, vous, je suis sûr qu'en 24 secondes, vous me donnez la réponse. Alors, attention. Elle vient de nous quitter à l'âge de 88 ans. Son époux est parti il y a... La femme de Marcel Merquez. Non, la femme de Salvador Allende. La femme de Marcel Merquez qui s'appelait... C'est ça, la question. Merde. Machin et Marcel Merquez. Merquez Mais c'est la reine de l'opérette. Ben oui. Celle qui chantait en zut... Paulette quelque chose. Paulette Nerval et Marcel Merquez. Pas Nerval, Merval. Paulette Merval. Paulette Merval, bonne réponse de Pierre Bénichoux. Heureusement que j'avais le prénom. Ils ont donné 11 000 concerts ensemble, en couple. Ils ont, paraît-il, laissé leur marque sur des œuvres telles que Violette Impériale ou La Veuve Joyeuse. Sauriez-vous nous interpréter un air de Violette Impériale, par exemple, Pierre? L'amour est un bouquet de violettes. Cueillez, me cueillez dans ces fleurettes. Ah, t'as vu ce que c'est que la musique, toi, petit gars? Non. Ça, c'est du classique, ça. C'est pas du baroque, ça. Alors, c'était les rois de Mogador. Ah oui, oui. Et oui, alors, justement, il y avait des... 88 ans, hein, les morts. C'était un peu les poulies d'or par rapport aux autres grands de l'opérette qui étaient Luis Mariano en premier et même Georges Guettari, qui avaient, eux, la carte.
Ah oui. Comme on dit. Tandis qu'eux n'avaient pas la carte et ils restaient cantonnés à Mogador alors que les autres allaient dans le théâtre. Oui, ils étaient très très connus dans les années 70. Je me souviens. Ils étaient hyper connus. Thierry Le Luron les imitait, Paulette Merval et Marcel Mercier. Ils étaient hyper connus d'abord parce que c'était un couple, ensuite parce qu'ils étaient très bons, mais ils n'ont jamais eu ce vedettariat comme ont eu, je répète, Mariano ou Guettari et les autres. C'est pas des gens que Jean-Louis Barrault voulait faire chanter dans ses pièces comme il l'a fait avec Dario Moreno. Ils sont restés ringards. Bah c'est un bel hommage que vous lui rendez. Non, 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 mais c'était formidable. Ils sont restés ringards. Alors justement, qui a déclaré « Moi, je chante en Allemagne, aux États-Unis, en France. En France, on ne m'appelle pas. » Un Français, donc. « Je chante en Allemagne, aux États-Unis, en France, on ne m'appelle pas. » Une chanteuse. Ah, française. Patricia Cass, j'imagine. Pas non. Patricia Cass. Lara Fabian. Lara Fabian. Pas Lara Fabian. On reste à peu près dans le même domaine que pour la question précédente, je dois dire. C'est-à-dire la tranche d'âge ? Je dis bien à peu près. Hein. C'est-à-dire elle a un nom italien ? Elle a 76 ans, elle chante toujours. Nana Mouskouri ? Non. Mireille Mathieu ? Non. Et c'est François qui lui consacre un papier. Et je croyais qu'elle était morte. Oh là là. Isabelle Maïro ? Non. Georgette Plana ? Non. Là, évidemment, c'est dur pour vous de donner un nom comme ça de chanteuse de 76 ans. Gaspard, je suis sûr... Ouais, c'est pas... Tu la connais, toi ? Bien. Je la connaissais. Dites-nous. Une de ses chansons. Le titre d'une de ses chansons. M'intéresse que vous voyez, Pierre. Ah bah un peu, mon vieux. Dis-nous juste son nom de famille. Je ne peux pas vous donner le titre d'une de ses chansons. Parce que ce ne sont pas vraiment des chansons. Ah, Juliette Gréco, c'est Anne Sylvestre. Non. Juliette Gréco. Non, c'est pas Juliette Gréco, c'est pas... Colette Renard. Pas Colette Renard, c'est pas Anne Sylvestre. J'ai dit qu'on était à peu près dans la même catégorie. Sylvie Vartan. Non, elle a beaucoup plus. 76 ans, elle chante toujours. Elle chante bien. Quels sont vos projets pour vos 50 ans de carrière, lui demande François. Elle dit, je chante en Allemagne, aux États-Unis, mais en Mireille France, Mathieu. On ne m'appelle pas. Non, pas Mireille Mathieu, qui n'a pas 76 ans encore, non plus. Et pour tout vous dire, elle chante plutôt dans bien. Une catégorie encore plus la chanson lyrique. Plus majestueuse que Paulette Merval et Marcel Merquès, qui eux étaient dans l'opérette. Cécile Bartholdi ? Non. Oh non, quand même. Ah, c'est une cantatrice ? C'est une cantatrice. Ah bah une non. Diva. Cantatrice. Elisabeth Schwarzkopf ? Ah oui, une cantatrice, vous qui êtes dans le... Elle est morte. Schwarzkopf est morte, mais c'est quelqu'un, justement, qui a chanté... C'est de la même génération. Ah oui. Bah, 76 ans, vous voyez, et qui a chanté en même temps que la Calas, qui a chanté... On sait pas. Ah bah si, pourtant, vous connaissez Barbara son nom. Hendrix ? Non. Mais non. Je vais vous donner ses initiales. MC. Hammer. Sola. Pierre, MC. Mais c'est pas vous parlez pas français là, c'est M et C. Oui, bien sûr, oui. Évidemment. C'est Maria. Non. Muriel. Non. Maria Candido. Non. Elle fait. Peut-être je peux vous donner sa photo. Est-ce qu'avec sa photo vous allez la trouver? Ah oui, ça va aider beaucoup nos auditeurs. Tenez, voilà la photo, je vous la montre de loin. Rika Zaraï. Voilà. Si on tirait Marthe Mercadier. Ah ben là, tu vois, c'est encore plus dur à trouver avec la photo. Et c'est quoi qu'elle a sur les épaules? Elle va s'envoler. C'est sa robe. 76 ans. Elle s'appelle Michelle. Mais non, enfin, vous ne connaissez qu'elle. Hein. Son nom est connu de tous parce que c'est un nom qui. Gloria Lasso. Non, elle est morte, Gloria Lasso. Michel voilà. Cotta. Mais la chirurgie esthétique a fait des merveilles. Ah, elle a pas un pli là. Hein. Sa voix n'a pas bougé, elle dit c'est un miracle de la nature. Sa carrière non plus. Mais il y a le front, ne bouge plus du tout. Le journaliste de François, même là, journaliste, c'est Nicole Duhaut, lui dit mais on vous a opposé à Calas. Elle dit oui, elle c'était la grimpa, l'animal sauvage, et moi j'étais considéré comme le cygne. Elle était une artiste sublime, magnifique d'interprétation dramatique. Même vous, Gaspard Proust, que j'imaginais. Non, je connais les Allemands, mais c'est une Française. Ah, c'est une Française, oui. Ah ouais, hein. Mais alors là, voilà, franchement, bon, tu nous as posé des questions. Bon. Célèbre tu pour la pureté de son timbre. T'as montré la photo. C'est Maud. Franchement, fais un petit effort, quoi, Laurent. Donne-nous le nom. Je vais vous le donner en charade. Mon premier m'appartient. Moi, elle s'appelle Montserrat. Montserrat. Comment? Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Bonne réponse de Gaspard Proust et Jérôme Bonaldi. On a passé bon, hein. Mais je pensais qu'elle était espagnole. Montserrat Caballé. J'y ai pensé. Ouais. Remontre elle la photo. Elle est espagnole. Montserrat Caballé. T'es sûr qu'elle est française? Ah bah oui, elle est française. Montserrat Caballé. Non, je suis pas sûr. C'est dommage. Mais c'est pas possible, Montserrat. Elle est pas française, mais c'est une toute
toute grande. Pourquoi vous n'avez pas trouvé? Parce que tu nous as perdu avec la France. J'ai jamais dit qu'elle était française. Non, j'ai dit que la France. Replay. Non, j'ai dit que la France ne l'appelait pas. Ça voulait pas dire pour autant qu'elle était française. Par contre, c'est dommage parce qu'en charade, Montserrat Caballé, ça aurait été pas mal. Hein. Mais vous la connaissiez ou pas, Pierre? Non. Oui, bien sûr. Oui. Jean savait d'ailleurs, comme tous les ignorants de la musique, je connaissais les noms de toutes celles dont on disait, on peut les comparer à Calas. Elle est née à Barcelone, Maria de Montserrat Viviana Concepción Cabrale il Folch. Oui, c'est un nom typiquement béarnais, comme c'est catalan. Elle a chanté avec Freddie Mercury, elle a chanté avec Johnny Hallyday, vous rendez compte un peu, en 97, elle a enregistré un duo avec Johnny, chanté pour ceux. Elle a également enregistré des duos avec des groupes de heavy metal, Iron Maiden, voilà, une reprise de Bohemian Rhapsody avec Freddie Mercury, et elle a sa fille, Montserrat Marty, parce qu'ils s'appellent tous Montserrat. C'est tous les mêmes prénoms. Mais non, mais parce que c'est pas le prénom, Montserrat. C'est, ah bon, c'est Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé. Donc Montserrat Caballé, c'est son nom, en fait. Ouais. Voyez. On est vraiment sûr qu'elle était espagnole. Ah oui, on est vraiment sûr. Ah, donc c'était pas ses initiales, MC. Mais vous pensiez qu'elle était morte, vous aussi, Pierre, non? Montserrat Caballé. Non, il m'aurait prévenu. Non, mais c'est une femme, pourquoi vous dites il m'aurait prévenu? Le mari. Marcel. Marcel Montserrat Caballé, mais il est très connu. J'aimerais bien savoir comment tu nous aurais fait cabaler en charade. Je te jure, j'y pense depuis que tu t'es fait. C'est facile quand même. Vas-y, comment tu nous fais cabar? Comment je fais cabar? Un panier pour aller faire les courses, par exemple. Ouais, voilà. Et après. Mon troisième, c'est ce qu'on donne au bébé, lait. Elle est con, elle sait pas faire des charades. Ah oui, je croyais les dessins. Ah oui, à la radio, c'est pratique. Elle confond charade et rébus. Le rébus, c'est très très bon, surtout à la radio. Non. À la radio, le rébus, c'est un succès fou. J'espère qu'elle confond pas tourner manège et Fort Boyard. Si on se faisait un petit Pictionary. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Gaspard Proust. Gaspard, on peut peut-être vous demander un petit bilan de la première heure, parce que c'est un peu impressionnant pour vous. Faut quand même expliquer en plus à nos auditeurs qu'il était là en observation aujourd'hui. Gaspard, parce que pas en observateur. Mais si, il venait observer un peu comment se passait l'émission. Après, c'est nous qui devions l'observer. Pour venir la semaine prochaine. Et au total, au dernier moment, Fabrice Eboué n'a pas pu venir et Gaspard a pris sa place. Ça c'est une aubaine en même temps. Hein. Ça, c'est la vraie chance. Oui. Ouais. C'est ça la vraie chance. C'est comme ça que commencent les grandes carrières. Et c'est vraiment excellent de faire ça ici. Et je découvre en même temps que l'émission donc dure 2 heures. Oui. Oui. Que et t'as vu comme c'est long, 1 heure? et tu t'attendais pas à gagner 50 euros? Je m'attendais pas à être assis à côté de Christine Bravo, en et plus. Et tu t'attendais pas à voir ça non plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan, donc, de la première heure, vos impressions sur chacun, sur Pierre, sur Christine, sur l'ambiance en général? Est-ce que, d'abord, vous avez envie de rester? Bien, non. non. Très clairement, non. Formidable, beaucoup de talent, beaucoup de micros bleus, c'est vraiment exceptionnel d'être là et un public ravi qu'on découvre, vraiment de grande qualité, qui réagit à tout, même quand c'est pas terrible, et ça fait vraiment plaisir, un vrai bonheur, voilà. Ah, c'est un bon bilan, je trouve, Pierre. Ouais. Oui, mais s'il était poli, il pourrait dire un mot du physique de la personne qui est à côté de toi. Quand alors, il y a des physiques qu'on ne peut pas commenter tant ils vous éblouissent, et c'est le cas de Christine. Je savais qu'il avait des goûts bizarres. Ouais, fais gaffe, hein, parce que moi je commence à avoir la cataracte avec Christine. Alors attention, on a quand même 2 auditeurs tellement qui vont éblouis. Tenter de gagner un nouveau vélo. Quand je dis un nouveau vélo, c'est le même que tout à l'heure, puisque il est pas parti. Le premier n'a pas été gagné, c'est le fameux iStep One, le vélo de chez Matra. Que tout le monde peut admirer, d'ailleurs, il est là. Wow. Mais avec une batterie autonome, garantie 2 ans vélo et batterie, toutes les normes européennes. Ouais. Alors, il ne dégage aucun CO2. Alors, évidemment, il y a des auditeurs qui m'ont dit, vous connaissez beaucoup de vélos qui dégagent du CO2. C'est ouais, oui, puisque là, comme on pédale moins qu'avec les autres vélos, on dégage moins de CO2. Non, il y a moins d'évaporation, de gaz carbonique. Ouais. C'est parce qu'il a un petit moteur qu'on dit ça, évidemment. Il est simple à utiliser, le vélo Matra. Ah. Et puis, il y a de nombreux équipements intégrés comme le
système de protection antivol par code PIN. Voilà. Et puis surtout, le vélo Matra électrique se distingue par son design sportif et sa finition soignée. Oh là c'est là, un c'est moyen vrai. De transport. J'ai l'impression d'être Julie Gérard. On va t'appeler Julio maintenant. Moi, tu sais, quand j'étais gamin, je rêvais de faire ça. J'étais dans les chiottes puis je m'entraînais. Dans les chiottes. Ah ouais. Chez Paul déjà. Il est bizarre. Non, mais... et dans les chiottes, il s'entraînait. Ah, mais oui, c'est mon rêve. Mais tu parlais dans la balayette de chiottes. Ah oui, je les vois bien. Mais non, mais c'est parce que je chantais bien que c'était pas normal. J'avais honte de ça. Alors je prenais, par exemple, télépoche parce que mes parents achetaient télépoche. Et donc je prenais télépoche, je me mettais sur les chiottes et puis je lisais. Tu faisais les programmes du soir. Non, je prenais les pages de pub et puis je lisais les pubs à haute voix. Ah ouais, caillot. Alors comment j'en parlais pas une déjà. T'avais 12-13 ans. J'avais 12-13 ans, Pierre. Et tu faisais caca. Et tu faisais caca à quel moment, avant ou après l'interview? Il avait mais je veux dire, c'est l'âge où les où certains enfants rêvent d'être Rimbaud, lui rêvait d'être Maryse. Tu comprends tout après. Il avait un auditeur chez Canard V16. C'était terrible. Mais oui, mais ça me permet aujourd'hui, vous voyez, de bien vous parler du vélo Matra. Il est bon. Un vélo disponible dans plusieurs tailles, qui prend en compte l'ergonomie pour le plus grand confort de l'utilisateur. Vous êtes heureuse, Marie-Lou, peut-être de pouvoir gagner ce vélo. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour à tous. Vous habitez la table. Oui. C'est où ça, la table? C'est à côté de la chaise. C'est Topor qui vous a placé là. Ah oui, quelques références culturelles n'ont jamais fait de mal à personne. Alors, Marie-Lou, où c'est la table? C'est à côté du col du Grand Cucheron. Très bien, bien sûr, je vois très bien. Du Grand Cucheron. C'est en Savoie. Voilà. Parfait, Marie-Lou. Faites quoi dans la vie, Marie-Lou? Je suis retraitée. Et vous faisiez quoi? De la pâtisserie. Oh, des bons gâteaux. Je vendais des très bons gâteaux. On est passé plusieurs fois à la télé à cause de ça. Ah bon? Oui. Didier, lui, est à Vitry-sur-Seine. Bonjour, Didier. Bonjour, Laurent. Ah, Christine a habité Vitry-sur-Seine. Est-ce qu'ils s'en souviennent? Non, pas franchement. Je sais pas, peut-être. Faites quoi, vous, là-bas? Moi, je repeins les appartements. Ah, très bien. Ça, vous êtes un peu le Valerio d'Amido de Vitry-sur-Seine. Voilà. Vous êtes à Capeb? Si vous voulez. Est-ce que vous êtes à Capeb? Ah, ça y est, il m'a placé. Mais non, mais c'est le même que tout à l'heure qui faisait de la pub. Ouais. Le mec, il a la même voix. Vous avez un petit message, Didier, à faire passer? Non, en particulier, si. Des à Marco et Eric, ça doit être les seuls qui doivent m'écouter à cette heure-ci. Marco et Eric. Voilà. Très bien, parfait. Sur Vitry aussi, bah, peut-être voilà. C'est qu'on est réécouté le dimanche aussi, désormais, hein, puisqu'il y a, il y a des best-of le samedi et le dimanche entre 16h et 18h. Vous, Marie-Lou, un petit message? Oh oui, j'ai plein de messages, moi. À Evelyne, Maurice, Brigitte, ma fille Alexandrine. Oui, on n'est pas sur Radio Montmartre non plus. D'accord. Bon. Marie-Lou, Didier, voici la question du jour. Attention, on leur laisse 5 secondes quand même. Hein. Pour quelle raison risque-t-il d'y avoir beaucoup de photographes au mariage de Mathilde Agostinelli et Antoine Meyer aujourd'hui à la mairie du 16e arrondissement? Alors parce qu'il y a des célébrités, probablement. Oui, mais pas seulement. C'est Meyer qui est... Antoine vous Meyer connaît. Et Mathilde Agostinelli se sont mariés aujourd'hui à la mairie du 16e arrondissement. Pour quelle raison devait-il y avoir de nombreux photographes? Attention, je compte jusqu'à 5 et après je donne la parole au chroniqueur. 1, 2, 3, 4, 5, allez-y. Parce qu'il y a Nicolas Sarkozy qui va assister à ce mariage. Et qui donc va... Il est témoin. Il est témoin du mariage. Bonne réponse de Didier. Ah bah oui, c'est mieux. Ok, on valide. Assister au mariage, c'est une chose. C'est être témoin de mariage, c'est quand même là, il est obligé de venir. Ah, on dit merci Didier quand même. Ah, il est témoin de qui? D'Agostinelli ou de Meyer? Il est témoin de la mariée, Mathilde Agostinelli, Nicolas Sarkozy. Et voilà, il a une journée chargée, puisque évidemment il prépare le remaniement du gouvernement, mais quand même, il va prendre le temps de se rendre au mariage civil de Mathilde Agostinelli et d'Antoine Meyer à la mairie du 16e. Il sera sauf contre-temps, nous dit-on. Hein. Alors, c'était ce matin dans la presse, j'imagine que le mariage a eu lieu depuis, il sera sauf contre-temps le témoin de la mariée. Didier, vous gagnez le superbe vélo Matra. J'ai une annonce maintenant à faire. Ah, il y a une annonce. Oui, Didier. Oui, ben j'ai un vélo à vendre. Ah, c'est bon, Didier. Marie-Lou, désolé, vous allez pouvoir continuer à faire... Vous n'avez rien à m'offrir?
On a déjà dit, Marie-Lou, la mendicité est interdite. Mais vous avez raison d'attendre. Attends, Matra, il vient. Ah, c'est vraiment la crise. Vous adorez Monsieur Bénichou. T'adores Monsieur Bénichou. Bah, vous êtes plusieurs. Je vais te dire un truc. Bah, t'es pas seul, mais je t'adore moi aussi. Parce que le jour où je passe en Savoie. Ah non, je vous préfère de la raquette, hein, et du ski de fond. Ah, du ski de fond, bien sûr, on va faire tout. Puis on ira se reposer après, et quand même. Je peux vous retrouver à l'île de Ré, parce que je vais à l'île de Ré. La béniche en boots. Là, je suis une peau de chamois, c'est d'accord. Ah bah, non, en plus, elle dit que l'été, elle est à l'île de Ré, elle pourra vous retrouver, Marie. Ah bah oui, je vais vous donner mon adresse. Voilà. À Loire, avec un petit Paris-Brest. Quel âge moi, je suis au bois plage. Quel âge c'est bien aussi. Quel âge vous avez, Marie-Lou? 63 ans. C'est parfait. C'est, son âge préféré. C'est mon âge préféré, de toute façon. Mais vous n'êtes pas marié, Mario? Si, non. Mais je suis seule maintenant. La vie a fait qu'on est seul. Ah oui, moi aussi, la vie a fait qu'on est seul. On est seul avec ma femme maintenant, parce que les gosses sont partis. Mais on veut bien accueillir une troisième larronne. Alors, qu'est-ce que j'ai droit? Rien du tout. Bah, vous avez droit à tout. Dans 5 minutes, elle va jouer de l'accordéon. Vous demandez 2 euros, tu sais. Avec une... On va vous envoyer une petite photo de. Méchant et vulgaire. On va vous envoyer une petite photo de Pierre dédicacée et nue aussi, si vous voulez. Marie-Lou. Ça m'intéresse pas, je voudrais des livres ou des bouquins. Marie, vous avez le droit de vous réinscrire sur ruquier@europa.fr pour rejouer dans 3 mois. Et Didier, vous gagnez le superbe vélo Matra. Il est 17h18, vous écoutez Europe 1, on va gêner Laurent Ruquier, ses chroniqueurs Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et le beau Tito. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Hier, c'était le congrès à Versailles, le discours de Nicolas Sarkozy, le président de la République, face aux parlementaires, en tout cas ceux de la majorité du Parti Socialiste, puisque les Verts et les communistes avaient boycotté l'événement. Il y a un député socialiste qui s'appelle Philippe Martin qui a déclaré, et je vais vous demander de compléter sa phrase, car je vais vous donner la première partie de la phrase, et vous allez devoir me donner la suite. Philippe Martin, député PS, a déclaré: j'avais peur qu'on passe pour des cons. À vous de trouver la suite. J'avais raison. Non, j'ai pas eu tort. Je me suis pas trompé. Eh bien, c'est le cas. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ça a l'air d'être un rigolo, ce Philippe Martin. J'avais peur qu'on passe pour des cons. Eh bien, c'est le cas. C'est lui qui a fait cette déclaration. Il a ajouté même, grâce à Jack Lang, on a 2 jours de fête de la musique. Hier, c'était guitare. Aujourd'hui c'est pipeau. Ouais. Un grand humoriste du Parti Socialiste. Mais ça, c'est beaucoup plus drôle. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, c'est marrant. Il a été bon, le président. Vous l'avez regardé les uns les autres. Ouais. Il transpirait. Il faisait chaud. À mon avis, la clim, elle marchait pas à Versailles. Il n'y a pas de clim à Versailles. Il avait visiblement chaud, hein. Bah, c'était pour le palais des glaces. Il a jamais ouvert sa veste. Je suis sûr qu'il avait. Il avait la chemise qui collait. Moi, je suis sur Secret Story, moi. Elle lâche pas, tu sais. Moi, je suis têtu comme une moule. Je ne lâche pas. Christine, vous exagérez quand même. C'est un événement. Depuis 1848, jamais un chef d'État ne s'était adressé comme ça à l'ensemble des parlementaires. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les impôts n'augmenteraient pas. Ouais. Ah, chouette. Voilà, il a dit qu'il était contre la burqa. Ouais. Il a dit... qu'il allait faire un emprunt. Voilà, que les chômeurs seraient mieux indemnisés. Il a dit, à un moment donné, il a regardé Carla qui était, il paraît que la belle-mère dormait pendant le discours. C'est ce qui est écrit dans la presse aujourd'hui. Carla était évidemment, elle, très très attentive, mais comment elle s'appelle déjà, Bruni Tedeschi, mère, elle somnolait pendant le discours de son gendre. La chaleur, peut-être, la chaleur. Ah, c'est terrible quand même. Pierre, alors, vous qui avez regardé forcément. Bah oui, il a dit quand même des choses extraordinaires. Il a dit que s'il avait été lui aujourd'hui, il n'aurait jamais voté pour lui d'il y a 2 ans. Pardon. Il a vraiment dit ça. À quel moment il a dit ça? Il a dit ça vraiment. Il a dit pratiquement ça. Ah bon? Il a dit, il a fait un credo qui est exactement à l'opposé de son programme. À savoir, il avait dit, il faut libéraliser l'économie, il faut faire ceux qui se lèvent tôt, il faut, bref, des tas de choses qui étaient un programme de droite, et aujourd'hui, il n'a fait qu'un programme de gauche. Oh. Complètement. Ah bon? Absolument. Alors il dit, c'est à cause de la crise, on voit que plus rien ne sera comme avant, et que maintenant tout a changé. Tout a changé, ça veut dire que il faut surtout pas écouter des gens qui tiennent le même langage que je tenais il y a 2 ans. Voilà ce que dit. C'est vous qui le dites, mais c'est pas lui qui l'a dit. Ah non, mais pratiquement. C'est votre analyse. Il y a pas un analyste qui ne dit pas ça. Les députés devaient payer, vous avez vu, pour manger 25 euros à Versailles. Ouais. 25 euros pour avoir le droit à du chablis, du haut-médoc, des poulets pommes de terre et du saumon poireau. C'est pas cher. Hein. Ah oui? Bah 25 euros, non, pour du chablis et
du saumon ou est-ce que tu bouffes ça à Paris, toi? Ils n'ont pas laissé les bouteilles sur les tables pour éviter qu'on arrive trop chaud dans l'hémicycle, a dit un élu. Ça, c'est une des mesures les plus démagogiques que je connaisse. Ah, ouais, ouais, c'est parce que tout le monde a dit c'est pour faire oublier. Ça coûte 380 millions, c'est normal que ça coûte très cher pour que l'État se déplace dans un truc comme ça. Et alors, pour montrer à quel point chacun y va de son écho, faire économiser 50 briques, machin, 100 briques, ils sont allés et tout le monde paye. Tout le monde paye. La bonne franquette. Les Velsatis pour y aller, c'est nous qui les payons, mais les 25 euros, ça sort de leur... Vous n'êtes jamais content alors. Il a raison. Ils n'avaient pas payé, alors là, ils dépensent avec nos sous, là, ils ont payé. Oh, les salauds, ils payent. Vous n'êtes jamais content. Est-ce qu'ils prenaient les tickets restaurant au moins? Bon, en tout cas, voilà, le président de la République a fait un beau discours. On lui a reproché de trop lire. Je ne sais pas si vous avez entendu ça hier soir sur Europe 1, les auditeurs qui réagissaient. Moi, je l'ai vu de bout en bout, en direct. Il n'a jamais l'air vraiment solennel, ce Sarkozy. C'est peut-être ça qu'on croyait qu'on allait voir ce type qui entrait dans la salle du Congrès à Versailles, qu'on aurait ce petit frisson quand on voyait De Gaulle ou Mitterrand commencer une allocution importante. Et là, on n'avait pas ce, comme disent les Américains, ce thrill. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit petit et qu'on sache qu'il est petit change la donne. Exemple, avant d'entrer à Versailles, il est cerné par une haie de gardes républicains en grand apparat avec le casque doré et tout et tout. Ça le fait pas. Vous n'aimez pas qu'on imite le président Sarkozy? J'ai vu votre spectre. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'à un moment, il y a chacun la Parkinson qu'il a et c'est plutôt un beau geste à l'égard de tous ceux qui... Mais en tout cas, bravo. Voilà. C'est une belle analyse. C'est une belle analyse. Mais vous étiez dans votre. J'ai pensé à cette histoire de lecture. On lui a reproché de trop lire parce que j'ai entendu qu'il s'était mis à la lecture récemment. Donc il redécouvre Maupassant, Flaubert, tout ça. Alors peut-être que c'est ce tic-là qu'il a gardé. Donc maintenant il veut lire. Et c'est beau, un enfant qui. Enfin, je veux dire, un président qui lit. Et Versailles, c'est vraiment un très joli endroit. Avec des très belles fontaines ou les canards batifoles qu'on gave parfois ou pas. Enfin bref. Il regarde en tournant. C'est vraiment Vincent Delerme. Sors de ce corps. Et tu t'es venu observer alors aujourd'hui? Comment rebondir? Donne pas tout le premier jour. On a des nouvelles de pas. La question de Robin Soir animée par Marie Drucker. Nicolas Sarkozy, vous êtes-il convaincu sur les solutions à apporter à la crise? Jacques Généreux, économiste, tête de liste du Front de Gauche dans l'Ouest aux dernières élections européennes et auteur du socialisme néo-moderne au seuil. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, membre du Conseil d'analyse économique, sont les invités de Marie Drucker à partir de 18h. On attend vos réactions au 01 42 32 15 15 01 42 32 15 15. Je vous rappelle la question d'Europe 1 Soir. C'est donc Nicolas Sarkozy. Vous êtes-il convaincu sur les solutions à apporter à la crise? Tout de suite, c'est Laurent Ruquier et jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la disparition de Boris Vian. Et évidemment, cela vous a inspiré, Serge, pour votre chronique musicale. Oui, je trouve qu'il est toujours actuel, ses chansons. La plupart de ses chansons ont été reprises par beaucoup de gens. Et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire un quiz et voir si ces chansons ont encore un écho aujourd'hui chez les auditeurs. Et si on peut reconnaître dans le quiz que je vous propose les voix qui interprètent Boris Vian. Alors, si j'ai bien compris, on prend nos papiers, nos stylos et on note les noms des 12 personnes qu'il faut reconnaître. Leur point commun, ils chantent tous du Vian, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Je signale qu'il y a quelques groupes dans le lot. Hein. Papier, stylo, 12 noms à découvrir. Il lui arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il a suivi jusqu'à sa piole, elle a crié, vas-y mon loup. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Et le temps roulé. Beaucoup voyagé, aucune fille n'a su me garder. La plus belle des filles s'appelle Liberté. Oui, croyez-moi, c'est elle que je veux épouser. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je ne me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Décembre est dépassé et novembre a commencé. Et si ça pouvait seulement durer longtemps, si ça pouvait durer et
juillet et jusqu'à ce foutu soir où tu m'as laissé choir. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, sans avoir mis mon sob dans des coins trop bizarres. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par une brume du matin d'avril, j'y voudrais faire un monument. En petits morceaux, il casse le mot à coups de marteau. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Un frigidaire, un joli scooter, un atomix et du dolopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh. C'est très 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 difficile, Serge. Oui. Peut-être. Bon, on en a quelques-uns. C'est un bel hommage à Boris Vian. Ah, oui. Certes, pour son 50e anniversaire, enfin 50e anniversaire de sa disparition, mais c'est très difficile. Je me tourne vers le petit nouveau parce que quand même on va lui donner. Ouais, je crois que j'en ai deux. Alors sûr. Allez-y. Jean-Louis Aubert et Catherine Ringer. Alors Jean-Louis Aubert, ouais. Il y est effectivement, et Catherine Ringer aussi, ça en fait deux. Michalak, ouais. Sanseverino, ouais. Benabar, ouais. Red Charles, ouais. Est-ce qu'il y a pas Zebda? Non, non, c'est pas Zebda. Les têtes raides. Les têtes raides, ouais. Oui. Je m'arrête là. C'est Sohan qui aurait trouvé Hugo, les têtes raides. Bravo, hein. Moi, je dis Hugo Frey et Henri Salvador. Il y a Hugo Frey, c'est vrai, mais il n'y a pas Henri Salvador. C'était Ray Charles qui chantait la blues le blues du dentiste. Ça dépend comment vous l'écrivez. Oui, Christine. Non. Moi, je dirais que les textes étaient de Boris Vian. Bravo. Est-ce qu'il y avait les Charlots? Il y avait les Charlots, oui. Bravo. Les Est-ce qu'il y a Junio? Il n'y avait pas Junio. Pas les Négresses Vertes non plus. Est-ce qu'il y a Serge Reggiani? Il y a Serge Reggiani, oui. Bravo. C'est moi, c'est l'italien. Il n'en manque plus que... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est Victoria Abril? Non, il en manque trois en fait. Hein. C'est bien ça, Serge? Je crois bien. Oui, c'est ça, trois. Il en manque trois. Écoutez, on va donner les trois manquants en réécoutant tout, puis ça permettra évidemment de redonner les noms sur les bonnes chansons. C'est parti. Il lui arrivait jusqu'à l'épaule. Ça c'est Fais-moi mal, Johnny, et c'était bien chanté par les Charlots, Gérard Rinaldi en tête. Jusqu'à sa piole, elle a crié, vas-y mon loup. Fais-moi mal, Johnny. Le suivant, ce sera bien Hugo Frey avec ses baisers me grisaient, autre chanson de Vian. Aucune fille n'a su me garder. La plus belle des filles s'appelle Liberté. Oui, croyez-moi, c'est elle que je veux épouser. Ce que c'est qu'il là, c'est bien Serge Reggiani qui chante Arthur ou Tamilcore. Mais bon sang, c'est trop fort. Je ne me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Décembre est dépassé et novembre a commencé. Et si ça pouvait... Alors lui, vous ne l'avez pas trouvé. C'était Jacques Higelin qui chante L'année à l'envers. Et jusqu'au mois de juillet, et jusqu'à ce foutu soir, où tu m'as laissé choir. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les têtes raides. Je voudrais pas crever, ils le chantent même. Sans avoir mis mon sob dans des coins stop bizarres. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos. C'est l'autre qui manquait, John Baez, qui chante à tous les enfants. Faire un monument. En petits morceaux. La voix de Jean-Louis Aubert, très reconnaissable. Il casse le monde, c'est une autre chanson de Vian. À coup de marteau. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose. Sanseverino et la Java des bombes atomiques. Donc un rayon d'action de 3,50 m, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Faut que ça saigne. Catherine Ringer et les Joyeux Bouchers. Ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Un frigidaire, un joli scooter. C'était peut-être les plus difficiles à trouver. Chanson plus Bifluoré qui chante la complainte du progrès. Avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Je sors de chez moi
Alors lui, c'est bien Benabar avec la chanson du blues du dentiste, la blues du dentiste si vous préférez. Et après, ce sera Ray Charles que vous entendrez. Bravo Serge. Merci. Merci pour cet hommage à Vian. Tiens, vous pouvez rester juste deux secondes parce que peut-être pouvez-vous aider mes petits camarades pour répondre à cette question. C'est Il y a un album qui sort, un album qui s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, double album même, où on compte 40 artistes qui chantent du Boris Vian, Juliette, Jeanne Moreau, Ariel Dombal, Émilie Loiseau, Mathieu Bogarts, Thomas Fersen et d'autres. Et puis, il y a quelqu'un qui chante la valse des mannequins sur cet album. Carla. Qui? C'est Carla, Carla Bruni. Oui, bravo. Carla Bruni, Christine, bravo. Serge, on vous retrouve demain à la même heure. À demain, salut à tous. Alors, c'est que il nous reste un vélo à faire gagner, puisque dans la première heure de l'émission, on n'a pas fait gagner le vélo Matra. Alors, on va faire comme hier, on va appeler un auditeur au hasard qui s'était inscrit pour les challenges. Il ne sait pas qu'on va l'appeler. C'est une auditrice qu'on va appeler, elle s'appelle Hélène, elle habite Beauvais. Alors, je propose qu'on fasse comme hier, c'est-à-dire que chacun, vous allez dire un mot et elle essaye de trouver qui est autour de la table, à part peut-être Gaspard Proust, parce que là, ça serait dégueulasse. Mais on va appeler Hélène tout de suite, le téléphone va sonner chez elle. Oui, allô ? Oui, bonjour, Hélène ? Oui ? C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Bonjour. Ouais, très bien, vous. Même pas surprise. C'est ma meuf, je l'appelle tous les jours. Hélène, vous étiez inscrite pour jouer au challenge des auditeurs. Eh ben, c'est perdu. Il fallait pas répondre. Non. Justement, il y a un vélo à gagner aujourd'hui, mais on change un peu le principe. Comme nos auditeurs tout à l'heure n'ont pas trouvé la bonne réponse à la question, je vais tout simplement vous demander de me donner le nom de 5 chroniqueurs qui sont présents autour de la table. Chacun va vous dire un mot. Vous essayez de reconnaître leur voix et de me donner leur nom, d'accord ? D'accord. Alors, le premier, c'est Gaspard Proust. Il est là pour la première fois. Alors, on va pas corser à ce point la difficulté à vous demander quel est son nom. Donc, mais Gaspard peut vous dire un mot quand même. Bonjour. Voilà. Et alors, attention, maintenant, il faut que vous trouviez les 5 autres. Voici la chroniqueuse numéro 1. Pas menteuse. Christine Bravo. Gagné. Bah, Passe-Partout. Je ne sais pas, non. Bon alors je vais refaire le mot d'hier, hétérosexuel. Michel Ange. C'est marrant, ils y pensent pas tout de suite. Ah oui. Eh mais tu vois, c'est on pense plus à, on a plus de doute. Numéro 3. Bonjour ma chérie. Pierre Bénichou. Yeah. Numéro 4. La pression atmosphérique à Beauvais. Voilà, pas du tout. Qui c'est qui est chiant? Petit œuf. Il est là, c'est donc une bonne réponse. Mais il vous en manque un, quelqu'un qui foire un peu ce qu'il fait tout le temps. Combien d'hectopascal actuellement? On compte plus en millibars maintenant. Vous avez dit un qui était chiant sans accessoires. Maintenant, trouvez un qui est chiant avec accessoires. Pierre Bonaldi. Ouais, c'est Pierre Bonaldi. Pierre Bonaldi. Un mélange de Pierre Bellemare et Jérôme Bonaldi. Le mec qui veut nous refiler des objets invendables. Excusez-moi, mais moi je suis pas d'accord parce qu'elle a, elle a perdu quoi. Ou on lui donne, on l'appelle. Le jeu c'est on l'appelle et on lui file un vélo ou alors on joue. Elle a gagné le vélo Matra, Hélène. Gêner Laurent Ruquier. Gaspard Proust, vous ne connaissez pas encore tout le monde. De temps en temps, nous rejoint dans cette émission le doyen de la vanne, Jacques Ramade. Le doyen de la vanne. Les brèves. Jacques Chirac à l'enterrement d'Omar Bongo. Il est arrivé avec le premier courrier. Il est reparti avec la dernière enveloppe. François Bayrou a passé une journée tout seul hier chez lui. C'est le modem qui se réunissait. Carla Bruni a fêté la musique. Elle s'est abstenue de chanter. Inquiétude à TF1. La chaîne se faisant des cheveux blancs en étant dans le rouge, Cohn-Bendit se dit prêt à intervenir. Oh, quelle trouvaille. Retraite à 67 ans. Jeannie Longo a dit non, c'est trop tôt.
Certains chefs africains sont dans le collimateur de la justice. Ils sont accusés de noirciment d'argent propre. Les objets personnels du mime Marceau ont été vendus aux enchères. Le texte de ces spectacles n'a pas trouvé preneur. C'est amusant. Sieste à la baisse dans les maisons de retraite. France 2 cherche un nouveau Derrick. Retour d'Arthur, il compte sur les boîtes pour faire un carton. Les boîtes, tu sais... Oui, j'aime bien. Alors, revenons sur... Je suis discret, parfois. C'est à prendre ou à laisser, celle-là, il a laissé. Football, Grégory Coupa a signé au PSG. Contacté avant lui, Raymond Coppa n'avait pas donné suite. Le footballeur Kaka a porté plainte. Il en a assez de voir tous ses coéquipiers venir le piétiner du pied gauche avant chaque match en disant « ça porte bonheur ». Il est content, ça fait rire le caillot. Sport de haut niveau. Un tournoi d'Osley va être organisé au troisième étage de la Tour Eiffel. Je comprends pas. C'est absurde, alors, tu peux pas comprendre. Ça sent la fin de saison. Et voici donc monsieur et madame. Et vacances qui arrivent, ont un fils. Axel, des vacances qui arrivent. Hein. Et maintenant, chantons. Ah, une chanson. C'est un petit pot-pourri sur les écolos. Ah, très bien. L'élection européenne a provoqué un tsunami. Les écologistes en veine ont submergé tous les partis. On est tous tombés sous la marée verte, les verts qu'on voit grimper le long des votes clairs à ses ennemis. Pour cent les verts vont faire le beau temps ou la pluie. C'est les écolos qui sont les plus beaux. Tout leur monde leur fait du charme. 16% des voix, ça ne se refuse pas. Et ça devient même une arme. Si on rappelait Dominique Voynet avec des grands coups de trompe, elle verrait Jean-Louis Borloo, ma mère, Nicolas Hulot venir lui cirer les pompes. Pompon. Avez-vous vu le nouveau capot écolo? C'est un capot qui n'est pas très nouveau. Il est allemand, mais c'est en France qu'on le voit souvent. Il cohabite depuis mai 68. On se lève pour Danette, mais la chose est sûre. Sûre, là, c'est pour Dany. Pour Dany, qu'on se lève aussi. Pompon, comme bientôt, tout le pays sera écolo. C'est comme Bendit, le président qu'il faut. Pou, pou, ouais. Et ben voilà. Oui, Christine. Jure-moi un truc. Oui. Moi aussi, tu me garderas toujours. Ah non, mais écoutez, je sens que Gaspard Proust s'est dit, tiens, voilà un autre monde que je découvre. Oui, je trouve que... Oui, Gaspard. Comme c'est un hommage à Boris Vian, je pense que vous tombez vraiment bien. Jacques, qu'on appelle Jazz. Moi, il m'est arrivé un truc, Boris Vian, quand même incroyable. Ouais. Comme c'est aujourd'hui que ça se passe, il y a 50 ans, jour pour jour. J'étais très jeune, très très jeune reporter à Paris Presse, et je devais aller à la première du film « J'irai cracher sur vos tombes ». Et comme Titov, parce que j'étais jeune et que je me couchais tard à l'époque, je me suis pas réveillé. Et quand je me suis réveillé... C'est Fabrice Eboué qui est pas là aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé vers 11h30 le matin, c'est le jour où il est mort. On m'a dit « Heureusement que t'es pas venu, c'était pas gay. » Après, Boris est mort. Donc je devais aller au cinéma Marbeuf, le voir quand il est mort, je veux dire, c'est incroyable. Quoi. Ah bah oui, en fait, tu voulais nous raconter une non-histoire sur Boris Vian, quoi. Enfin, une non-histoire du con. Non, sérieusement, raconte-nous, toi, tes bonnes histoires avec Tom McShane, c'est quand même le plus intéressant que tes conneries, avec non tes boules farcies. Sérieusement. Je vais te le faire avaler, ton casque, moi, c'était quand tu l'as pas. Je sais pas, moi, je m'attendais à un truc extraordinaire. En fait, tu racontes un truc avec Boris Vian, comme quoi, tu t'es pas réveillé, t'es pas allé, quoi. Ça s'appelle une non-histoire. C'est quand même con parce que c'est lui qui avait les médicaments. Ouais, il est en train de te dire que Boris Vian est mort parce qu'il est pas venu. Ah ouais, d'accord. Ouais, allez, ma chanson préférée du moment. C'est une Québécoise. Elle s'appelle Cœur de Pirate. C'est le nom de son groupe. Elle chante comme des enfants. J'adore sa voix. La chanson est extraite de son premier album qui porte son nom, Cœur de Pirate. Allez, pour une dernière fois, en tout cas pour aujourd'hui, bien entendu, puisque Laurent Ruquier, c'est 7 jours sur 7. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui ? Alors là, j'explique au petit nouveau, Gaspard Proust, que ça, c'est la séquence la plus... comment je dirais ? La plus quoi ? Désastreuse. La plus désastreuse. Mais en même temps, vous pouvez repartir avec des produits, des objets. Oh, c'est normal, c'est lui le nouveau, c'est lui qui a le droit de repartir aujourd'hui. Tu vas goûter. Et vous allez goûter. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une vieille tradition, je commence à leur donner à manger, comme ça, ils se taisent un peu et je peux parler du reste. Voici une rillette. Bordeaux Chenel, on n'a pas les mêmes valeurs. Rillette pour végétarien. C'est de la rillette de thon, c'est la compote, et la rillette de saumon. Pour végétariens. Les végétariens ne mangent pas de viande. Ni de poisson. Ça, ce sont les végétaliens qui ne mangent pas de poisson. Ceux qui ne mangent pas de viande, ils mangent du poisson. Bon, bref, c'est du tarama, quoi. Non, cette chose. Mais ça existe depuis un moment. Hein. Et ça, oui, c'est très bien on ça. On va le faire goûter. Alors ça, je vais te dire, Pedro. Mais ça existe depuis très longtemps. Ah non, mais c'est Pedro. Et tu dois manger les deux pots complètement. Non, sur le, c'est sur c'est le corps, pain. Sur le corps de Christine. Bon, ça fera ton sur ton. Pas mal. Elle vient de lui balancer la rillette à la gueule. Ça y est, ça dérape. Là, c'est le quadruple, jeu de mots. Ah, qu'est-ce que t'es con. Quoi d'autre? Une passoire. L'emmerdant dans la passoire, c'est que ça prend beaucoup de place. Voici la passoire qui se rétrécit, s'aplatit. C'est du métal, avec au-dessus pour le couvercle et les poignées, parce que quelquefois c'est des spaghettis, ça fait chaud. Et il y a du silicone, et pouf! Ah, voilà. Pas mal! Voilà, tu vois, elle se rétracte. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait passoire et égouttoir. Voilà, passoire, égouttoir, pouf! Hop, dépliante. Voilà. Ça prend la place d'une passoire. Non, elle fait quand pas tu t'en sers. Si, c'est pas mal. Ça vous intéresse, Gaspard? Vous voulez qu'on vous en donne? Je suis très fan, ouais. j'aime beaucoup. Ça vous plaît? La passoire, tu sais jamais où la ranger, ça prend trop de place dans les placards. Ouais. Ouais. Moi, je dis, c'est bien la passoire. Seulement, c'est encombrant. Tandis que là, avec le silicone, ça te prend pas plus de place qu'une assiette. Exactement. Et puis, pouf, d'une simple pression du bout du doigt, vous en faites un appareil énorme. Et une fois que vos pâtes sont passées, que vos spaghettis soient bien égouttés, qu'est-ce que vous faites? D'une simple pression à l'envers, vous en refaites une assiette. Exactement. Et regardez. Voilà. Mais t'aurais fait camelot. Mais... Oui, monsieur. Étonnez. Et hop. Même un on petit... a pensé à mettre une petite encoche à seule fin de pouvoir la suspendre à un clou à la cuisine. Vous aviez la photo de votre mari. Votre mari est décédé. Vous enlevez sa photo et hop, vous suspendez la passoire. C'est une merveille. Et hop là, on le sent là, ce propre là. Ça se fait même... comme un gibus. Il y a même l'option canotier. D'habitude, je mets un entonnoir aujourd'hui. Une simple passoire. Mais ça et hop, une galette, non. Appuyez dans le fond. On appuie dans le fond. Une passoire. Oui, monsieur. On n'arrête pas le progrès. Qui fabrique ça? Oui. Où est-ce qu'on les trouve, vos passoires? Europe1.fr. Des passoires à Europe 1. Oui, ça, je t'avais remarqué. C'est une boîte suisse, Rosle. Ils font des trous partout, finalement, les Suisses. Alors, dans les casseroles pour faire des passoires. C'est dans la passoire Rolex. Qui n'en a pas une à 50 ans? C'est Rosle qui fait ça. Quoi d'autre? Un thermomètre. Oh, la raison la plus capillaire. Il est coudé. Oui, c'est un thermomètre. On le met pas dans le. Ah bon? On le met pas dans la. Non. Non. C'est grand comme une petite boîte d'allumettes. Un thermomètre pour prendre la température, donc. Pour prendre la température. Ah oui. C'est à mettre sur le front. Lui, non, c'est, il te donne l'heure. Mais uniquement quand tu te le mets dans le cul, hein. Non mais ça se voit qu'il est patron, hein. Tout un thermomètre. Un thermomètre, on dirait Drucker pour prendre la température, évidemment. Attends, c'est vachement bien. C'est, en fait, tu te le mets sur le front. Sur le front. Juste au-dessus des sourcils. T'as pas toujours dit ça. T'as le front coudé. C'est rigolo. C'est le front, j'ai appris ça, est la zone, l'une des zones les plus vascularisées qui soit. Il y a vos mains, il y a votre zizi, enfin les zones érogènes, tout ça. Mais le front est vachement bien. Et donc, pour les enfants, les gens qui sont malades, les gens qui sont endormis, t'as pas besoin de les déshabiller ou quoi que ce soit. Tu le mets sur le front, juste au-dessus des sourcils. C'est ça que
pas, j'ai pas la température. Mais toutes les mamans d'ailleurs mettent la main sur le front de leur enfant pour savoir s'il a de la fièvre. Oui, sur le front, prenez votre température, Christine, qu'on sache. Mais oui, par je vais exemple. Mourir, je suis en hypothermie. Je fais 32. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça, c'est les dents, c'est le nombre de dents, ça. Non, mais tu l'as mis sur le front, mais tu n'as pas enlevé la frange. C'est la température de tes cheveux, là. J'ai 32 cheveux. Non, Christine, la température de ton cerveau. Christine, ah ben moi, je suis têtu comme une moule. Elle est c'est T-Jex qui fait ça. C'est quoi qui fait ça? T-Jex. T-Jex. T-Jex, ils sont forts. C'est beaucoup de trucs pour les bébés. Ah, ils sont forts chez T-Jex. Christine, il y a un bouton, il y a un seul bouton, mais il faut appuyer dessus. Et sur le bouton, il y en a beaucoup plus sur son front. Non, je joue. Ah, je suis sûr qu'on peut le front, je joue. Ah, non, moi je vais essayer ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme Bonaldi. Un alcool oublié. Tout le monde oublie ces alcools-là. Ah oui. Oui, c'est l'alcool d'artichaut. Ah oui. C'est peut-être des raisons. Ouais. Bah ouais, goûtez. Parce qu'à la fois, vous dites. Il n'y a rien à boire. Vous dites, ah tiens, ça me rappelle le médicament horrible quand j'étais petit. Ou bien ça me rappelle la mère Picon, ou bien ça me rappelle... Ah ouais, goûtez. C'est vachement amer. Ça me rappelle ta mère, petit con. C'est... Bah, pendant qu'on goûte l'alcool d'artichaut, un mot de conclusion, puisque c'était sa première fois, Gaspard. Bah, en fait, moi j'étais encore plongé dans la chronique qu'il avait fait, parce que moi, je pensais qu'il y avait un lien entre ce qu'il avait fait. Oui. Donc il y avait une recette... ou un truc avec toutes les choses qu'il y avait sur elle. Et en fait, c'est des objets individuellement. Ne cherche aucune logique à cette émission. À bientôt, en tout cas, à demain, 16h. Ça, c'est sûr. À demain, 16h, Laurent Ruquier. Dans un instant, Europe 1 soir. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.